Destinée Dia, bonsoir, bonsoir. Là-bas. Comment vous allez? Vous allez bien là? Oh, Tatiana Tia, Camara Abgirl, comment va? Les vraies choses pourries un peu, ouais, pourries un peu, mais ouais, Madame Hoha, oui. Cléka, Béatrice Béa, comment va? Mariam Dosso, vous allez bien? Elle a dit la chicance, maman Monia. Oh, merci. Cricri, tu vas bien? Ouais, Lauriane Bayrou, Ayo, Elodie, épouse Fodio, comment va? Bonsoir, 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 partagez, partagez. Hein? De me présenter en bêté. Non, il me présente pas en bêté. Grâce Camille, comment va? Aïe, tu es calé. On est là, on parle de ah, pour tu le séducteur. Ouais, c'est un séducteur. Vraiment, les choses des réseaux sociaux. Je suis versée depuis hier. Ouais, c'est hier, j'ai vu la vidéo de Cléka. Ouais, le style relax, ouais. Après ça, je... Dali Sylvie, comment tu vas? J'ai dit que... Oui, Solange Kwasi, tu vas bien? Il fera jour. Waouh, c'est un nom ça. Comment on dit femme légère embêtée? Ça là, le mot est parti loin. Quand je vais me rappeler, soyez en temps, partagez, partagez. Parce qu'on va se dire les vraies choses. Moi, c'est dire les vraies choses toujours, mais en riant. C'est causerie du soir. Ouais. Oui, Apoutou, il est fort. Il est fort, mais sa maman l'a accouché. Ah, mouignia. Sa maman a accouché un garçon. Franchement. C'est son direct, mais je viens d'écouter tout de suite là. Dia, vous êtes nombreux sur les directs de Apoutou là-bas là. C'est pour aller détourner les têtes là-bas. Parce qu'on vous voit, hein, vos commentaires là, on voit ça là-bas. Aujourd'hui, vous avez sur les réseaux sociaux pour entacher la réputation d'un jeune homme. Parce que quand moi j'ai écouté le voice de Madame Boha là, j'ai vu des abonnés qui ont dit non, ça c'est pas la voix de Apoutou. Moi j'avais reconnu sa voix. Apoutou a une voix très séductrice quand il parle en dehors des réseaux sociaux. Ah oui. Je vous avais dit ça un jour, hein. J'ai dit que la voix que Apoutou parle, Agbré Stéphane, le miel de Paris, la voix qu'il prend pour vous parler là. Quand tu parles à Apoutou dans le réseau, ça dit, c'est un garçon choco dans les inbox quand tu parles avec lui. Donc déjà, quand j'ai vu des gens dire, mais ça, c'est pas la voix d'Apoutou, j'ai dit, voici des gens encore qui se sont fait avoir. Ça, c'est Apoutou. Mais j'ai dit non, au début, j'ai dit non, c'est un buzz. Si c'est un buzz là, Apoutou va pas sortir. Mais si, ça dit que si c'est pas un buzz là, il va finir par venir se défendre. Et Dieu merci, il est venu se défendre. Vraiment. Aïe, mais j'ai dit, oh, vous êtes nombreuses, vous faites ça. Vous prenez les Whitey pour faire la carapace. Vous êtes nombreuses. Je ne me suis pas adressée à quelqu'un. Mais ça là, c'est Légion depuis 1900, ouais. J'avais dit, hein, j'ai dit que le Whitey, il va t'arranger. Mais il y a un côté là qui va manquer. C'est le côté là, ça dit que tu es venu rentrer dans la vie de ce jeune homme là. Vraiment, si elle pouvait avoir un frère comme Apoutou, c'était bon. Père, il est wise, comme disent les Anglais. Il est wise. Même pour le voir en train de parler la douce voix, la voix mielleuse. Petit frère, tu n'es pas un escroc. Tu n'es pas escroc. Je suis venu pour te féliciter. À cause ça dit que elles ont des kikinettes là-bas. Donc, elles laissent les kikinettes maintenant pour venir chercher des bazookas. Mais le bazooka, toi, tu as une kikinette là-bas, mais le bazooka a un prix. Hein? Tu croyais que mon petit frère allait te donner ça cadeau? Il va pas te donner un cadeau. Tu as compris? Donc, l'affaire de, oh, je me sens pas bien, je vais payer ma voiture, mais c'est tout à fait normal.
Il a vu que tu étais une vache à lait. L'argent est trop là-bas. Tu cherchais quelqu'un pour distribuer l'argent. Tu as compris? Tu cherchais quelqu'un pour distribuer l'argent. Donc, le scénario de je dois acheter ma voiture, tout ça, c'est normal. Parce que quand tu étais venu là, tu étais venu comme une cliente d'abord, non? Aïe! Mais les gens de l'Ouest, on est fort, c'est la vérité. Ils t'ont pas escroqué, on ne m'a oui gris. Parce que tu es venu salir le nom de notre frère. Tu es venu salir le nom de mon petit frère pour dire non, il m'a escroqué. Il m'a escroqué. J'ai dit, aïe. Comment ça, il t'a escroqué? Sur mon direct, même, on est venu dire, ah, Poutou a escroqué. J'ai dit, mais ah, Poutou va escroquer. C'est 3000 dollars, Poutou n'a pas. Mais c'est la même chose. Quand tu vois que tu as un gars là, qui a l'argent et puis, ben, tu poses les cartes. Non, je me sens pas bien. Maman est malade. Ou bien mon frère est malade. Tu fais les plans au téléphone. Donc, c'est le même scénario là, Poutou a mis. Donc, Apoutou t'a pas volé. Faut pas venir gâter le nom de Apoutou pour dire que non, Apoutou t'a volé à gauche, à droite, escroquerie. Quelle escroquerie? On a escroqué qui ici? Qui on a escroqué? Ce qu'on dit escroquerie, c'est qu'il t'a fait des promesses de temps en temps. Toi-même, tu es venu, oh, hein, madame, oh, femme légère, ayoma. Une femme peut faire ça. On peut se comporter comme ça. Même si on dit, c'est, mais les blancs avec lesquels vous êtes mariés là, ce n'est pas des hommes ou bien. Mais vous avez dit que les godemichés ou bien les pines en plastique là, vous avez dit que c'était bon, ça vous satisfait là-bas. C'est pas ce que vous avez dit. Hein? Donc, pine en plastique, là, ça fait plus de travail là-bas. Hein? Parce que pour lui, là, ça appartient à une femme. Hein? Lui, il a sa copine. Donc, aujourd'hui, tu as fait qu'il a dit que sa copine est fâchée avec lui. Angela Koufour, comment ça va? Madame Oha. Ça dit que quand on dit que Mourani Zoka, c'est toi, j'ai vu. Quand on dit Mourani Zoka chez nous, femme qui n'a pas honte. On dit qu'on est marié à un blanc, on ne doit pas avoir honte. Mais tu as une éducation de base, non? Avant de te marier à un blanc. Moi, je te, ça dit parfois, je te regarde, je dis, mais quand je te regarde, je vois que tu es un peu perdu dans ta tête, toi, madame Oha. Tu comprends? Et puis, elle était au sérieux. Elle était au sérieux. Elle passe de direct en direct. Elle s'exprime là-bas. Il m'a détourné. Mais tu es marié, non? Toi, tu es marié légalement. Lui, encore, il a une femme qu'il a à la maison, qu'il a dotée. Donc, ça veut dire que si tu lui avais donné l'argent cadeau, là, chez nous, on dit que Moni, il y a au moins la conserver. L'argent te grattait. Tu ne savais pas où tu allais mettre. Donc, c'est ça, tu es venu donner un peu à mon petit frère. Tu viens le traîner sur les réseaux sociaux. J'ai dit que vous avez le mauvais sang. La honte de ça. Il n'y a pas d'escroquerie. Mais la balle, je dis, je ne connais pas football. Mais la balle qui vient dans le camp de l'adversaire, là, est-ce qu'il y a hors-jeu? Hein? Il n'y a pas hors-jeu? Tu as écarté. Ça dit, c'est rentré. Et puis tu as venu dire que non, c'est chose. Mais ce n'est pas possible. Il t'a loupé. Si c'était moi-même à Poutou, là, ça dit qu'il fallait tirer sur la corde jusqu'à. Tu allais pomper au moins ces 10 000 dollars. Et c'est votre habitude. Oh, mais c'est la vérité, on n'a qu'à reconnaître. J'ai dit, aïe, mais Apoutou là-bas, il est là-bas. On dit, il a sa femme. Il a sa femme. Mais comment il se retrouve dans les affaires d'escroquerie? Gars, c'est madame même qui est partie écrire lettres là-bas. Hein, comme on fait avant là. Les lettres amoureuses là pour écrire que je t'aime, oh, je t'aime, viens à mon secours. Et puis quand Apoutou parle avec elle là, Apoutou n'a jamais dit chérie, hein, ou bien n'a jamais dit mon amour. C'est elle seule, mon amour, mon bébé, mon chéri. Alors que toi, tu as ta pine chez qui à la maison là-bas. Et puis toi, tu viens appeler le mari d'autrui. Oui, oui, il a doté la femme là. Donc, si on me voit, c'est un homme qui est marié. Toi, tu viens l'appeler mon bébé. Vous êtes en foyer, vous faites encore broderia là-bas. Hein? On prend les whitey, on prend les trucs et puis on fait couverture. Tu n'as pas honte, c'est pas possible. Ça même, tu devais faire même de telle sorte que ces genres de choses-là ne sortent pas. Non, on vient et puis on se pavane avec ça. Elle en parle. J'ai dit, mais est-ce qu'elle est sérieuse? Oui, tu étais sérieuse. Donc, ma chérie, le gars t'a pas escroqué. C'est votre toutouya, vous prenez, et puis vous êtes marié au Whitey, et puis vous prenez ça pour faire, ça dit drapeau, je suis marié à blanc, et puis derrière ça là, vous cherchez le gros bangala de 24 cm, c'est ça qui était là. Tu étais parti derrière Poutou là, c'était pourquoi? Et vous êtes nombreuses comme ça, hein? Vous êtes plein. Quand Poutou est en train de faire ses directs là, ah Poutou, tu as des jolis doigts, hein? Ah Poutou, tu as des pouces fossettes, hein? Les appréciations, si appréciations, les partages, si partages que vous faites dans la vidéo de Poutou. Tout ça, c'est pas, vous êtes amoureuse de lui. Hein? Ça, c'est pour clair, car on a vu au grand jour.
Sinon, les matères qui sont dans ça, les vieilles mères qui sont derrière Apoutu là-bas, Dieu seul sait. C'est-à-dire que les réseaux sociaux aussi là, c'est devenu le coin où chacun va venir faire son brodeur sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est pathétique. Je n'ai pas encore vu ça. Ça dit, moi, je suis ça, oui, moi. Hein, chez nous, quand on dit, moi, je suis ça, dit que, ça dit, le bordel est rempli dans toi, la femme, jusqu'à, il n'y a plus place de ça. Là-bas, gratte seulement. Et tu viens mettre ça sur les réseaux sociaux, comme je suis mariée, tant, mais tu es mariée, tu veux faire là. Une femme qui est mariée, là, c'est pas un cachet qu'elle faisait d'habitude. Hein? Quand tu as une femme mariée, là, elle est tout, y a, brodé, y a. C'est pas possible. Réseaux sociaux est venu, donc on a trompé son mari. On va venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que oh, j'ai trompé mon mari. C'est pas pour qui a envoyé. C'est toi qui es venu envoyer ça. Tu étais venu envoyer ça pour le salir, pour salir sa réputation. Je suis pas contente de toi du tout. Pas du tout contente de toi. C'est pas possible. Mais vous avez dit que vous étiez heureuse dans vos foyers là-bas. C'est ce que vous dites quand vous êtes avec vos blancs là-bas, là. Je suis heureuse, tant. Je t'avais vu, tu avais fait une vidéo un jour où tu t'es pavané ton mari. Donc, tu avais ce monsieur-là, et puis tu cherchais encore les bazookas derrière ici. Hein? Tu as une bordel. On n'a qu'à dire les choses. Ah, pour tout même, les voix qu'il a mis déjà, même, on voit que tu as une bordel. Pas pour toi, là-même, là, c'est vis-à-vis même. Il t'a pas escroqué. Donc, enlevez le mot escroquerie ici à Poutou. Mais nous-mêmes, on est là-haut. Tu es une femme mariée. Même si tu es mariée, tu es un homme marié. Quelqu'un vient et puis il te donne le lait comme ça dans la bouche. Tu as refusé l'argent là. Tu as refusé. Tu as dit que pas je suis mariée. Tu n'as pas refusé. Qui refuse l'argent? Personne ne refuse l'argent. On me dit, est-ce que je t'ai demandé? Je ne t'ai pas demandé l'argent. On a vu dans aucun voice, oui, t'as demandé l'argent. Mais c'est que celui-là aussi, il a fait ses plans aussi pour faire, oh, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête. Tout le monde connaît ça. C'était une façon de dire que j'ai des soucis, faut me donner l'argent. Ça aussi, c'est clair. Maintenant, comme il a vu que toi-même, tu as déjà proposé l'argent, bon, il s'est dit que tu as une vache à l'air, il va aller très là-bas. Puis toi-même, tu étais prête pour ça. Quelqu'un a dit, non, je me sens pas bien, je passe à ma voiture, donne-moi 2 minutes. Dans 2 minutes, tu es parti. Quelques heures après, merci pour les 50 étoiles. Quelques heures après, là, tu reviens pour lui donner 2000 euros. Ça veut dire que l'argent est trop là-bas. C'est pas toi qui avais dit que tu avais payé canapé de combien de 1000 euros et puis tu avais fait à Talakou du canapé là. C'est pas toi. Je te connais, il y a longtemps, je te suis. Hein, je te suis plus, mais à un moment, je suivais un peu tes flafla là. Tu es une mère de famille. Faut te répondre. Ça veut dire que laisse affaire de te comporter de cette façon. Les vidéos restent. Tu peux imaginer tous ces voices là, oui. Il y a les voix des Congolais, des Congolais qui peuvent passer. Mais des voix où tu as une femme mariée et puis tu t'en vas faire ce genre de choses-là, c'est pas intéressant. Mais ou bien, ça dit que tu prends des stupéfiants? Est-ce que tu prends des stupéfiants? Pas une femme qui a toute sa tête, une digne africaine, ne pas se comporter comme ce que tu as fait. Je n'ai pas dit que les Africains ne trompent pas leur mari, mais quand on trompe là, c'est ce que tu as fait là, c'est ce qu'on vient faire. Tu étais venu faire ça pourquoi? Ou bien c'était un coup monté, c'est les gens qui t'ont envoyé devenir le sali. Hein? C'est pas possible. Femme mariée même va venir pour appeler garçon. Mais si ça gratte là-bas là-haut, dans ton entourage là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui peut diminuer les démangeaisons là-bas. Vous, tu es là-bas là. Il n'y avait pas quelqu'un pour faire le travail là-bas. Et puis c'est à Poutou, tu allais partir pour aller déranger. Wobrou, les femmes d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui. Elle s'est pavanée un moment avec des collants légers là. Elle a commencé à se justifier. Non, c'est ce que Beyoncé porte. Mais est-ce que tu es Beyoncé? Je l'ai regardé, je dis, mais celle-là, elle est déréglée. Ça ne va pas chez toi. C'est pas possible. Ça veut dire que vous avez fait Djandouya jusqu'à... Mais le bon Dieu vous a mis à l'abri. Hein? Même si tu as fait jusqu'à... Oh, d'après toi-même. Maintenant, le bon Dieu t'a mis à l'abri avec un homme avec lequel tu es là-bas. Mais si vous voulez faire, vous êtes des couples, souvent quand vous êtes dans vos couples là, vous êtes des couples libres, non? Vous pouvez faire la livraison à domicile. J'ai une amie là, elle est mariée à Haïti, elle fait livraison à domicile. Le gars vient à la maison, elle prend un beau black là, bien. Il vient, il fait la livraison à domicile, elle est son mari.
Elle dit que dans ça là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que j'ai trompé. On ne trompe pas. On se fait plaisir, on se met bien nous deux avec le monsieur. Donc, faites les livraisons à domicile. Au lieu d'aller déranger des gens comme ça, venir entacher des réputations. Le monde a évolué aujourd'hui. Les gens sont très épanouis dans leur vie sexuelle. Mais tu ne peux pas venir faire ce que tu as fait là. Merci pour les étoiles. Hein? Lui, il a quand même une relation qui veut préserver sa relation. Il a sa relation avec sa chérie. On a vu les photos de sa dot. Hein? Tu ne penses même pas ça. Tu viens le jeter en pâture sur les réseaux sociaux. Pourquoi maintenant? Mais appelez maintenant, c'est rapide. Hein? C'est rapide, appelez maintenant. Tu t'en vas seulement, tu appelles sur Internet. C'est toi-même, tu fais ta caricature. Souvent même, on dit que tu veux quel genre? T'attends tout. Les dimensions du zizi, tout ça là, tu peux dire au téléphone tout. Et puis, il vient à la maison. Vous faites soirée romantique. C'est encore mieux. Elvira, toi, tu es venue chercher quoi ici? Il ne fait pas nuit chez toi. Tu vas me demander, je dis quoi même? Hmm? Tu es venue chercher quoi ici? Franchement. Au début, je pensais que c'était une blague. J'ai dit, mais blague ou bien quoi? Non. Madame était au sérieux. On la voit, elle appelle dans tel direct. Elle appelle ici. Elle s'explique. Ah, avec sa voix nasillarde là. Ah, bonjour, il m'a insroqué. Regardez-moi celle-là. Toi-même, tu te regardais une vieille rambale comme toi là-haut. Toi et Pierre Poutou, vous pouvez prendre photo. Tu pouvais prendre photo avec lui. Faut rester avec ton vieux Whitey fatigué. Ou bien ton jeune Whitey fatigué. Sans un zizi en bas de lui. Une kikinette en bas de lui. Parce que si c'est pas kikinette, si c'est pas Bangala tu cherches là. Tu pourrais venir faire ça. Hein? Venir me mentir si quelqu'un que la personne t'a escroqué. Alors que c'est toi-même qui a proposé l'argent. C'est toi qui l'as proposé. On a écouté tout. Vous êtes des hommes dans vos familles, ça dit qu'ils vous respectent, qui vous aident financièrement, tout et tout. Et vous n'avez aucun respect pour eux. Ma chérie, il faut chercher loin de... Ça dit proche de chez toi là-bas. Il faut chercher. C'est pas possible. On peut être djandu comme ça. On peut être bordel comme ça. C'est pas possible. Il y a des femmes même qui les mènent. Ça dit, il y a des femmes là, elles sont faites même pour ne même pas vivre avec un homme. Elles sont mieux pour rester comme ça, pour pavaner jusqu'à la fin de leur jour. Ben, il y a des femmes là, elles ne peuvent jamais les satisfaire. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Ça ne peut jamais les satisfaire. Des femmes qui sont... Ça dit, elles sont comme... Je ne sais pas comment on dit. C'est pas possible. Il t'a vraiment loupé. Il t'a pas escroqué, ma chérie. Donc, tu la fermes. Tu restes dans ton coin là-bas. Tu te caches, ma chérie. Parce qu'il t'a pas escroqué. Tu viens attacher sa réputation. Tu viens mettre la honte sur lui, sur les réseaux sociaux. On saisit de partout. On l'attaque de partout. Non, Jésus, là, je regarde. Je dis, mais attends. C'est un buzz ou bien quoi? Non, c'est pas un buzz. C'était quelque chose de sérieux. Ok, ma chérie. C'est pas possible. Vous êtes là-bas, là, souvent, vous pleurez, ça, dans la vie, vraiment, la vie. Ça dit, pourquoi le monde est comme ça? J'ai dit que celle qui pleure dans mes inbox ici, pour des Whitey. Y a une qui avait, elles sont là-bas, hein, quand elles viennent maintenant, elles ont les Whitey là. Y a une qui m'a dit ici que Whitey est froid. Elles sont là-bas, quand elles viennent maintenant, elles ont pris Whitey là. Le gars commence à l'arranger, oh, Whitey est froid. Tant. J'ai dit froid ou chaud, tu as resté à lui là. C'est lui qui a te donné les baisses. Quelqu'un va te donner les baisses, tu dis il est froid. C'est pas possible. Mais quand vous êtes en Afrique, là, vous priez tous les dieux pour avoir les Whitey. Maintenant, vous arrivez ici, maintenant, vous êtes dans le foyer, vous n'êtes pas capable de rester. Vos là-bas, gratuit, il faut qu'on cherche. Tant. Apoutou, mon chéri. Hein, sa voix, mon chéri. Apoutou. Il t'a jamais appelé ma chérie. Il n'était pas fond de toi. Il n'était même pas fond de toi pendant tout. C'est toi qui forçais dans lui. Tu comprends? Faut chercher ta cible ailleurs. Cherche-toi ailleurs. On est des femmes, on se protège. On s'est dit qu'on ne peut pas dénigrer une femme. Mais pour toi, c'était trop flagrant. C'était flagrant. Vis-à-vis comme ça. On va venir chercher un garçon vis-à-vis comme ça.
Et tu es marié comme je suis marié. Tu es marié. Il était même embarrassé, même quand tu lui as dit que tu es marié, mais tu veux que vous fassiez quand même. Il t'a dit, ah, là tu es marié maintenant, comment on va faire? Il était un peu mal à l'aise même dès le début. Mais là, quand il a vu qu'il y avait le diable derrière, bon, elle était prête à donner le diable facilement. Il s'est dit, bon, je vais essayer d'essayer de voir comment je vais essayer de manager ça pour avoir plus. Il t'a pas volé. Il t'a pas volé. Il n'a pas mis les stratégies, les plans en place pour dire que non, il va aller soutirer ton argent dans ta main. Maman, l'argent était trop haut, c'est pour ça que tu étais venu donner un peu à mon frère. Tu étais venu donner à mon petit frère, tu lui as donné cadeau. C'est des cadeaux que tu lui as fait. Au départ, là, tu es parti sur la base de tu vas acheter les costumes. Tu es parti à faire des 500 euros de toi, t'entends. Qui va refuser l'argent? Hein? L'argent? Money, Dasi, Wari, Liri, qui refuse ça? Je vois l'attaque de partout, c'est rentré, c'est ça. Tu as 38 ans, tu as des enfants, tout et tout. Tu es une vieille fatiguée. Tu comprends? Une femme là, tu as déjà dépassé tes 35 ans, tu es dans ton foyer là, ma chérie, il faut te considérer comme une vieille mère. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas imaginer, mais quoi qu'on dise là, on vient mettre l'escroquerie sur toi, sur les réseaux sociaux, ben c'est pas du jeu. Hein? On vient te dire que non, tu as escroqué. Qui va accepter l'escroquerie? Hein? Personne ne peut accepter ça. De partout. Cette fille-là, elle n'a pas toute sa tête. Elle n'a pas toute sa tête. C'est un spécimen aussi. Et puis elle vit avec son type là-bas. Va marier, tu te respectes quand même. J'ai compris, ma chérie Elvira. Excuse-moi, j'ai compris. Hein? C'est pas possible. Une fois, j'ai vu une de ses vidéos dans le métro ou bien je sais pas dans quoi. Elle était quasiment dénudée. Je dis, mais attends. On dit, on vient en Occident, on vient en blanc. Donc, on se comporte comme ça. Après ça, je crois qu'on avait porté une plainte contre elle. Elle l'a fait. J'ai dit, mais attends, je crois qu'elle n'est pas normale. Ça ne va pas chez elle. Donc, ma chérie, soutien total à notre Aputu national. Moi, l'impacteur, depuis ma position ici au Canada, je te soutiens, mon petit. Tu n'as pas volé son argent. Tu n'es pas un voleur. Tu n'es pas un escroc. Tu avais vu le lait qui était là. Donc, ça dit que le lait était devant moi. Toi, tu as pris le verre et puis tu as bu seulement. C'est tout. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui te critiquent, tous ceux qui t'insultent là, même si c'était eux-mêmes là, vous allez faire la même chose. C'est une fille sans vergogne, sans éducation. Les filles togolaises qui sont bien, elle a vraiment, les filles togolaises qu'on éduque avec de belles valeurs. Toi, c'est-à-dire, qui sont ceux qui vous éduquent, vous, ce genre de personnes là? Mais parfois, on vous a donné l'éducation de base. C'est le milieu dans lequel maintenant vous vous retrouvez. Ça dit que vous voulez tellement vous substituer aux gens que vous avez mariés que parfois ça vous dépasse. Hein? Il y a une catégorie de femmes comme ça. Dès lors qu'elle se marie à un blanc, tu la vois, elle va changer. Elle veut même dépasser les blancs qu'elles ont mariés. Et parfois là, c'est dans des dérapages comme ça qu'elles se retrouvent. Sinon, les Togolaises qu'on éduque bien à la base, les Togolaises, les Burkinabés, avec les Béninoises, là, il y a une éducation stricte même qu'on donne. Chez nous, encore, tu vas même en faire un peu lousse, mais chez vous, là, c'est dur. Donc, toi qu'on a éduqué en Afrique, là-bas, tu es parti en Occident, tu as marié un blanc, c'est fini. Vraiment, Ibezou, ça fait honte. Amounia. Hé hé, là, là. Les filles d'aujourd'hui. C'est pas possible. Donc, c'est ça. Je tenais à faire ça tranquillement parce que quand j'ai eu sa version, j'ai tout compris. Ben, jusqu'à hier, elle a partagé. Hein, partagé. Franchement. Elle dit pas toute. Non, mais c'est vrai. Elle va déposer plainte où? Hein? Dans le fait de quoi tout là, il y a plainte. Tu étais venu à quoi? Tu étais venu à l'amour. Il t'a pas demandé. Il a les voices. Il a tous les audios, tout et tout. La vérité est là. Donc, il t'a pas demandé. Maintenant, tu n'as pas eu ça. Tu n'as pas eu, lui n'a pas eu le temps aussi. Il m'a donné un rendez-vous à Montparnasse. Et puis quoi? Il t'a donné un rendez-vous, il n'a pas pu venir. Mais tu devais comprendre qu'il était en train de... Ça dit qu'il esquivait le rendez-vous. Il n'était pas prêt pour toi. Non, ça, tu avais de la difficulté. Tu avais bien de la misère à comprendre ça. Mais toi, tu dois avoir une case en moins. Maman Aura, tu dois avoir une case. Ça ne va pas chez toi. Quand on te regarde là, ça ne va pas chez toi. Connaître, elle a tout essayé. Je fais la musique, oh, hein? Tout ça, ça n'a pas donné. Donc maintenant là, comme c'est Aputu qui donne sur les réseaux sociaux, on va venir le traîner sur les réseaux sociaux pour avoir. Est-ce que c'est bon comme ça? Et on vient le traîner dans quoi? Dans un sale buzz d'escroquerie. Qui aime escroquerie?
On peut tout te reprocher sur les réseaux sociaux, on a fait Congo ça, on a fait quoi. Mais l'escroquerie, c'est pas bon. Ça entache ta réputation. Ben, si c'est un coup monté, ben ça se retourne contre toi. Ça n'a rien fait sur lui. Ça peut rien faire sur lui. Une fille déréglée à la base, mais elle doit être déréglée, c'est pas possible. Souvent, une fois, elle était avec un enfant bien quoi en arrière. Et puis, elle avait comme un godmiché qu'elle prenait ça pour faire comme les voitures manuelles. J'ai dit, mais est-ce que ça va chez elle? Demain, quand ils vont te menacer de prendre tes enfants, comment on appelle ça, parce que tu fais des trucs comme ça, vous allez dire, oh, on veut pas mes enfants. Mais les trucs sexuels que tu fais comme ça, souvent pas loin de tes enfants, sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Franchement, il va rien rembourser. Il va rembourser quoi? Il va rembourser quoi? Elle était fan de lui. Elle avait dit qu'il avait des belles fossettes. Elles sont nombreuses comme ça sur les directs d'Apoutou. En train de l'apprécier. Tu as de jolis doigts. Apoutou, le teint pâle. Apoutou, tu as les fossettes. Mais c'est ça qui est là. Apoutou ne va pas rembourser ses 1 rond. Il va rembourser quoi? Quand on dit aux hommes que quand les hommes nous draguent et puis on mange l'argent, on rembourse l'argent, on rembourse pas, c'est la même chose. Elle était venue. Elle est décevante, franchement. Elle a fait honte à la jeune féminine. 3 enfants, tu es dans un foyer, mais tu es fait là. J'ai dit que vous êtes dans les foyers, vous voulez changer, ça dit que vous voulez apporter du piquant dans vos foyers, vous voulez faire quoi? Faites de la livraison à domicile. Il y a les sites pour ça. Tout ce que tu veux. Tout. Si tu veux club échangiste, peut-être maintenant même là, à cause de COVID maintenant, on peut plus. Sinon, ces clubs-là existent. Vous partez là-bas, vous vous mettez bien. Monsieur, madame, vous rentrez tranquille. Tu fais ta livraison à domicile. C'est pas mieux que de venir déranger le petit pour lui donner l'argent. Ma chérie, maman, oh, ah, ton âge était trop. Là, était trop. Donc, même un rond. Ah, tu vas pas te rembourser. Il va pas te rembourser. Pour ça là seulement là, même si tu as fait porter plainte, hein, si tu as porté plainte là, nous autres on va venir à son secours. Bah, il t'a pas escroqué. On va venir à son secours pour l'aider. Tu as compris? Il t'a pas escroqué. C'est toi qui lui as donné l'argent. Tu as donné l'argent sur quelle base? Rembourser quoi? On va rien rembourser. Et tu lui as envoyé des photos de toi osé. Tu vois? Par pudeur, il a dit, je peux pas te montrer. Tu lui as envoyé, tu as dit que où tu es là-bas, maman, oh, ah. Tu as dit que tu ne lui as pas envoyé photo osé de toi. Tu n'as pas envoyé photo où tu avais montré tout là-bas. Tu as envoyé photo, tu as envoyé vidéo, tu as tout envoyé. Non, mais c'est pas possible. Faut reconnaître. Ah, dans la vraie vie, là, une femme mariée, là, tu as envoyé ça comme ça là-bas. Tu n'as pas envoyé. Tu as payé le charme de mon petit frère. Tu as payé ses fossettes. Tu as pris son temps aussi. Hein? Le temps qu'il prenait, quand il dort et puis il vient de se réveiller. Eh, mon petit frère aussi. Maman Brevigie, tu as accouché garçon. Ah, mania. Tu as accouché enfant. Enfant choco. Enfant, ça dit que la voix des Ivoiriens, même les mamans des Ivoiriens, quand il veut te mettre dans un blue bandage là, pour que tu aies un pot, de te mettre dans un blue bandage même là. Il a dit, quand il prenait, quand les gens n'ont pas reconnu la voix d'Apoutou, comment il écoutait, il dit ça, c'est la voix d'Apoutou. Ça dit, quand j'ai écouté sa voix, même dans les voix, j'ai dit, bon, ça c'est un Ivoirien, il a fait le travail. Maman, c'était son charme que tu étais venu prendre. Tu étais venu prendre son charme. Donc, il ne pouvait pas te donner son temps aussi gratuitement. Lui aussi, on est en Occident, le temps, il faut le mettre à profit. Il faut mettre le temps à profit. Donc, lui aussi, il a bien mis son temps à profit. 3000 et quelques sorties dedans. Tu as tambouriné sur les réseaux sociaux. Merci pour les étoiles. Si tu veux tambouriner, fais tout ce que tu veux. Il ne t'a pas volé. Honnêtement, oui, il n'a pas volé ton argent. Donc, tu veux quoi? L'argent était trop. Voilà. Et voilà, mais voici d'autres ici qui te disent que eux, ils sont des candidats. Comme tu aimes donner l'argent en désordre aux gens, là, trop tu distribues là. Voici des charmants garçons ici qui sont en train de dire que de te faire commission, qu'ils sont prêts pour ça. Mais ils sont prêts. C'est pas possible. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il a mis son temps à profit. Il n'est pas venu en France pour aller à la Tour Eiffel. Il est venu, il sait ce qu'il est venu chercher. Donc, ma chérie, ton âge était trop, tu lui as donné. Vraiment, merci beaucoup, mes impactés. Merci. On a ri un peu, mais c'est la vérité qui est là. Donc, Apoutou, arrêtez de mettre escroquerie. Il n'a pas escroqué. C'est pas ça qu'on dit escroquerie. C'était une relation d'amour.
Elle était fan de lui, mais lui, on sentait qu'il était beaucoup réticent. C'est la même chose. Quand une femme aussi n'est pas fan d'un gars et puis tu es son agent là. Ah, vous pensez que c'est les femmes seulement qui vont manger l'argent des garçons? Hmm? C'est pas les femmes. Les hommes aussi, là aussi, peuvent mettre des stratèges. Non, c'est ça. Lui n'était pas fan d'elle. On a écouté tous les voices. Il n'y a pas, dans un voice, il n'y a pas quelque chose où il t'a dit mon amour ou bien mon bébé, ma chérie, je t'aime. Si il t'a dit ça là, que, on dit que oui, il t'a mis comme dans la relation. Il t'a pas mis dans la relation partout. Est-ce qu'il t'a mis dedans? Il t'a pas mis dedans. Hein? Tu savais que tu voulais acheter son amour. Hein? Tu voulais acheter l'amour du petit frère. C'est à quoi ça? Tu lui as donné les 3 millions. Donc arrête de l'appeler escroc. Il n'est pas un escroc. Hein? C'est toi-même qui es une femme légère. Hein? Tu es une femme très légère. J'ai dit, si ton Whitey là-bas, là, il a une quéquette là, fais des livraisons à domicile. Hein? T'as compris? Les 3000 euros que tu as donné là, ça pouvait faire plusieurs livraisons. Hein? De toutes les dimensions, on vient, on te livre ça. Propre, en présence de ton mari, vous mettez bien. Et puis la vie continue, ni vu, ni connu. Donc arrête de venir te ridiculiser sur les réseaux sociaux. Mes amis, je vous aime, merci beaucoup. Je vais souper. Partagez le direct. Ciao, ciao. Au revoir. C'est fini pour moi.